Allez, go, après une opération sauvetage de meule, on va s'attaquer à la machine à sous Escape Reset Recharge, qui est un petit peu bizarre au niveau de son design. Alors, on repart avec 8007. Espérons bien sûr ne pas se faire torcher. Allez, mise à 40, ça ira, c'est parti. Alors, pour répondre à la question, est-ce que c'est une machine à sous paye ou à paye pas? Bah, c'est les deux, c'est des fois elle paye, des fois elle paye pas. Les autres machines à sous, ça sert sur le long terme, c'est une machine à sous en paye. Alors, 125 balles. Alors, si vous voulez prendre des gros nagai symboles, des gros symboles. Ce qui arrive éventuellement pas très souvent. Alors, c'est un bon début, moins 500 balles. Bon début pour le casino, pas pour le joueur. Belle série de spins perdants. Alors, la mise à la place sur la route, 160 balles. C'est la grande descente, parce que je préfère la remontée. Ah oui, il en manquait, dommage. Super Delta Plane, 240 balles. Pas mal. On est à 7004. Ça va le remonter, mais pour le moment c'est Casino qui gagne. On va remonter à 7006, c'est toujours le casino qui gagne pour le moment. On va pas dépasser la barre du départ. Voici une machine à sous qui a l'air de payer de façon régulière, mais bon, de toute façon, on est toujours là sur le générateur de symbole aléatoire. Des fois, il peut filer que dalle pendant une plombe. Des fois ça peut filer des gros wins, autant des fois ça fait que dalle. Plus, non. Alors qu'est-ce qu'il y a 60? Qu'est-ce qu'il y a après? 60 balles, on a quasiment récupéré la mise. 80 balles. Wow,
Ouais, le dommage, que dalle. Allez, spin, ouais, là ça pique. Eh ben sans déconner, dommage pour le rouleau dé, on aurait fait un full tableau. Allez, après la montée, la redescente, va-t-il y avoir un win? Total win, que dalle, retourner plus à 40. Full tableau, full tableau, full tableau. Ouais, 800 balles, rien de plus, dommage. Eh ben quand même, full tableau. Ouais, c'est un faux 20 par rapport à la suite. On remonte à 7008, ça a quasiment remboursé la loose. Mais... c'est toujours le casino 49 pour le moment qui gagne. Enfin, je veux dire, sur cette partie. On va se lâcher un petit peu, mise à 60. On va avoir du retour niveau win. Sans déconner, on dirait que c'est beau, mais c'est pas beau. Ça passe en dessous d'avoir des 6000. Alors, il va y avoir un beau win entre temps. Alors, y aurait-il moyen que le générateur de symboles aléatoires nous sélectionne tous les scatters pour balancer des free games? Ça une histoire, ça une plombe avant que ça sorte, généralement. Pas coup de chance, ça sort en début de partie, mais des fois, coup pas de chance, ça sort jamais. Thank you.
connu, c'est quand il veut le rack, vu qu'il veut pas. Ben sans déconner, 997, on a dépassé les 8000 balles. Miracle. Par contre, on va pas rester très longtemps, j'imagine, au-dessus de la barre des 8000. On va mieux passer en dessous. Bah sans déconner, on arrive à faire un bénéf sur ce jeu. Bon, par contre, conserver le bénéf, ça va être une autre histoire. Donc là, si le jeu nous balançait des parties bonus, ce serait bénéf assuré, mais bien sûr, il n'y a aucune garantie à ce sujet. Donc, ça s'emballe, 8005, sans déconner. On arrive à rester au-dessus de la barre des 8000, mais pas garanti que ça dure. La réponse, 600 balles, 8007. Sans déconner, on est presque à 9000. Pile poil, 8008. Ouais, on va poursuivre un petit peu la partie pour voir. Sans déconner. Heureusement qu'on a pas arrêté la partie, voilà. Alors espérons que ça rack pick one, free game ou je sais pas quoi. Ça aurait pu être mieux, ça aurait pu être pire, mais bon, c'est quand même, enfin c'est toujours ça de gratter. Allez, un petit spin chance à 40 balles, et on se casse. Petit win à 8, on termine à 9173. Ouais, comme
comme quoi c'est pas tous les jours Noël. Allez, 9833, hop. Terminus, tout le monde descend et on verra pour les prochaines.